tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Verse. Commençons tout de suite par les nouvelles de la communauté, avec l'événement Los 50. Réunissant 50 joueurs sur des mares pour une bataille épique, et vous pouvez voir ici leur trajet à travers leur ville. Passons maintenant au sujet du jour, le nouveau fonctionnement du Gravelève et les personnages féminins. Dû au changement effectué avec le nouveau modèle de vol, l'ancien Gravelève ne pouvait plus fonctionner. Les développeurs en ont donc profité pour corriger les problèmes inhérents à ce système et le rendre plus agréable à utiliser. Contrairement aux réacteurs traditionnels, les réacteurs Gravelève ont besoin d'être proches du sol pour pouvoir fonctionner et vous fournir une poussée. Les développeurs ont donc décidé de se recentrer sur ce principe et d'être plus proche du sol, ajoutant du risque et des décisions à prendre plutôt que de vous faire survoler le terrain. Donc si le terrain est trop rocailleux, vous aurez peut-être envie de trouver une route pour le contourner. Le nouveau modèle est donc un peu plus difficile à maîtriser, mais rend le pilotage beaucoup plus intéressant. Le nouveau système de suspension indiquera en temps réel au réacteur la poussée nécessaire pour maintenir le véhicule au-dessus du sol. Grâce à ce nouveau système, vous pourrez contrôler la hauteur du véhicule si vous souhaitez franchir un obstacle en appuyant sur espace. Côté sensation, les développeurs souhaitaient vous donner l'impression de piloter un jet ski, qui serait à moitié immergé par l'eau. Cela permet d'ajouter des sensations de friction lors des manœuvres, augmentant grandement la qualité des sensations ressenties, et reposant ainsi beaucoup plus sur la gestion des réacteurs en temps réel. Tous ces changements, bien que complexes, devraient rendre les courses planétaires très intéressantes. Passons maintenant à la transition entre les personnages masculins et féminins. CIG a fait le choix d'avoir un squelette unique pour les personnages féminins. Cela veut dire qu'il a fallu recibler toutes les animations déjà existantes. Pour ce faire, les développeurs ont deux possibilités, une automatique et une manuelle, chacune ayant ses avantages et inconvénients. L'outil automatique qui a été créé en interne permet de très facilement recibler les milliers d'animations disponibles en jeu, travail impossible à la main. La méthode manuelle est-elle réservée aux animations nécessitant un plus haut niveau de fidélité? Ce sont en général les mêmes animateurs ayant fait les animations masculines qui s'en chargent après approbation. Cela concerne par exemple les interactions avec les vaisseaux ou certains objets. Lorsqu'une animation est terminée, le personnage féminin est placé dans la scène, et grâce à un bouton magique, le personnage féminin suit automatiquement le personnage masculin. Les animateurs ajustent alors, étape par étape, la position du personnage en gardant en tête les nécessités techniques, telles que la caméra de tête servant à la vue du joueur. Une fois les animateurs contents du résultat, il ne reste plus qu'à mettre le personnage en jeu. Le reciblage est un outil extrêmement puissant, puisqu'il permet de fournir rapidement des nouvelles animations pour le jeu. Le désavantage de cette technique est que les personnages féminins peuvent garder un côté masculin dans leurs mouvements. Dans certains cas, cela ne pose pas de problème. Mais dans d'autres, comme la marche, les animations doivent être remplacées par des motion capture spécifiques aux personnages féminins. Tous ces changements vont permettre de rendre le jeu beaucoup plus immersif et diversifié. Les développeurs ont hâte de pouvoir offrir du choix aux joueurs. Certaines personnes se demandaient pourquoi nous ne pouvions pas jouer un personnage féminin alors qu'il y avait déjà des PNJ en jeu. Josh Herman nous explique que cela vient du fait que les PNJ ont des actions et des animations extrêmement limitées. Il était donc très facile de mettre ces personnages en jeu très rapidement. Ce qui n'est pas le cas pour les joueurs, où toutes les animations doivent être disponibles. Vous aurez peut-être donc la chance de voir mon avatar en jeu à la 3.5. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou prendre de votre temps pour regarder des pubs volontairement sur Utip. Les liens sont dans la description. Mais vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et nous rejoindre sur le Discord Roxy la Rotule pour participer au développement de la chaîne. Moi je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Around the Verse.